Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Marine le DP de Cuper. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo d'un marque-page qu'on va faire ensemble. Donc, c'est le marque-page chouette que j'avais acheté il y a un petit moment. Je l'avais fait en unboxing avec vous. Donc, c'est en hommage à ma maman. C'est pour mettre dans mes livres pour les vacances. Donc, ce marque-page, je l'avais acheté chez Talk Walk Official Store. Je l'avais payé 3,14 €. Je l'avais commandé le 9 juin et je l'ai reçu le 18 juin. Donc c'est bien. Ça n'a pas mis trop de temps. Donc non, c'est nickel. Donc sinon, ben tout va bien. On prépare les vacances qui arrivent là. On part bientôt. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça commence à faire un long. J'ai besoin de partir un petit peu. Ça va me faire du bien. Ça va nous faire tous du bien. Parce que mon mari, l'année dernière, n'a pas eu de congé. Donc ça va nous faire tous du bien. Donc on part en décalé malheureusement. Parce que j'ai mon petit dernier qui travaille. Et que lui finit un peu plus tard que prévu. Donc du coup, nous on va partir avant. Moi et mon mari, tous les deux. Et eux vont nous rejoindre, mon grand et mon fils vont nous rejoindre. Là-bas directement, quoi, quelques jours plus tard. Donc sinon, bah, le défi avance tout doucement. Le nombre d'inscrits, ça avance. Je remercie Audrey Burette pour son petit clin d'œil à mes vidéos. C'est gentil, je te remercie. Moi, je voulais te dire que tes vidéos, bah, je les regarde, toutes tes vidéos, je les regarde en faisant du DP. Tu me fais des fois mourir de rire. Mais ça fait super du bien, donc continue, Audrey. Je kiffe, je kiffe. Sinon, j'ai refait mes ongles. Merci ma coco. Donc là, normalement, c'est jaune fluo, mais on voit pas bien avec ma couleur d'ordinateur, enfin de mon téléphone. Mais normalement, c'est jaune fluo. Merci coco. Et puis voilà, il y aura plus d'unboxing pour l'instant sur ma chaîne parce que bah, j'ai arrêté de commander et puis avec les taxes, j'ai un peu peur. Sinon, je vais recevoir quelques bricoles, mais comme je vous avais expliqué dans une de mes vidéos. C'est mon petit projet résine que je vais mettre en place. Donc, j'ai commencé à acheter un peu de matériel. Donc, je vais voir ce que ça donne. Là, j'attends quelques moules pour essayer de voir, pour tourner mes stylés moi-même avec ma déco. Donc, je pense que je vais attaquer ça certainement en revenant de vacances. Parce que j'ai pas mal de petites idées à faire. Donc, ça va venir. Sinon, question d'épée, vous voyez là, hop. Mon DP de la fille masquée est terminée et encadrée. Je vais vous la chercher pour que vous la voyez. Hop. Voilà. Donc la voilà. Elle est magnifique. Franchement, pour ma belle-fille, elle va être super contente. Donc voilà. Oups, je vais le faire tomber parce que ça serait dommage. Et là, du coup, comme on part bientôt, j'ai voulu entamer un grand DP. Donc du coup, une de mes abonnées m'avait envoyé un petit cadeau. Non, c'était... c'était un petit cadeau. Donc, je vais vous la montrer. C'est un joli petit chat. En diamant rond. Donc, voilà. J'ai incorporé quelques diamants AB à l'intérieur parce qu'il n'y en avait pas. Donc, comme j'ai une petite réserve de diamants AB, bah, j'ai mis quelques diamants AB. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop, ça brille un peu, c'est différent. Les couleurs sont différentes. Donc, c'est un joli petit chat. Je vais essayer de vous montrer l'image qui est... Attendez. Comme ceci. Voilà. Elle ne va pas faire la pointe. Vous le voyez bien quand même. Et, nouveauté, c'est du diamant rond. Oui, je me suis dit, je vais faire du diamant rond. Ça va changer un petit peu. Puis, c'est quand même beaucoup plus rapide à faire du diamant rond que du diamant carré. Mais voilà. Voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, on va faire ensemble le petit marque-page. Donc, je vous ai dit d'où ça venait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous de la description. Donc, je vais vous mettre en pause. Je vais faire mon installation et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, je vous ai mis de façon que vous allez bien voir ce que je fais. Donc, je vous ai montré, c'est la petite chouette. Donc, nous avons des diamants ici. Une petite dédicace à Coco pour le bruit. Désolé pour les autres. Hop. Voilà. Hop. Voilà.
Donc le petit pompon accroché, petit pompon violet, il est vraiment mignon. Donc ce que je fais, moi, comme je vous ai expliqué la dernière fois quand j'ai fait une vidéo avec vous, ce que je fais, c'est quand je reçois mes DP, la plupart du temps, quand c'est des barquettes blanches, je les garde. Je les garde pourquoi? Pour pouvoir faire les accessoires en diamants spéciaux. Parce que de toute manière, les diamants spéciaux, moi, je ne les garde pas. Donc, je prépare mes petites barquettes. Là, je vais en avoir besoin un petit peu plus, parce qu'il y a plus de couleurs. Hop. Donc, je prépare mes petites barquettes. Voilà, voilà. Donc, hop, nous avons une... 2, 3, 4, 5, ah, j'ai oublié mon ciseau, les petites lunettes. Donc on disait, 1, 2, 3, 4, 5, alors 6, 7, 8, 9, on en faut encore 4. Hop. Hop, 9. 10. 11. 12 et 13 couleurs. Donc nous avons 13 couleurs. Alors, on y va. On va commencer par, alors, la lettre A, ce sont des petites gouttes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. On ne va pas faire la pointe, forcément. Des petites gouttelettes en couleur argentée. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes vacances ou que tout se passe bien à votre travail. Il a fait très très chaud cette semaine. Plus trop l'habitude, mais c'est super agréable. Moi, je m'en plains pas parce que moi, j'adore le soleil, hein. La chaleur et tout ça. J'adore ça, moi. Donc, les petits A, on va les commencer. Alors, les petits A sont autour des yeux ici. Que je me trompe pas, ouais. C'est au niveau d'ici, ici et quelques-unes dans les plumes bleues. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Hop. Alors, comme moi je n'ai pas de stylet avec l'embout spécial, vous savez, le double stylet avec d'à côté la gomme et d'à côté l'embout normal, moi je ne l'ai pas, donc j'utilise mon stylet à moi et j'utilise une pince un peu, alors je ne sais pas si vous avez, ouais, voilà, un petit peu courbée comme ça pour attraper les diamants spéciaux. Ça vient d'un lot de pinces que j'avais acheté sur Amazon et franchement elles sont bien, elles sont pratiques. Donc, hop. Je vous montre les petites perles. Donc, c'est les petites gouttes argentées. Et on y va. Bon, je vous disais, hein, j'espère que ça se passe bien, que vous passez des bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances. Nous, ça sent le départ. Là, on prépare au fur et à mesure. Enfin, je prépare au fur et à mesure. Sinon, les petits-enfants, je pense qu'ils vont bien. Parce que je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis un petit moment. J'espère les voir avant de partir quand même. Sinon, ce week-end, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors nous, ça va être un week-end un peu agité, on va dire. Donc déjà, la soirée, mon mari est en congé. Bon, je vais essayer avec cette pince-là parce que ça ne va pas. Voilà, c'est mieux. Mon mari est en congé ce week-end, donc là, ce soir. Donc là, il quitte à 4h, on va aller à la pêche, je pense, au bord de mer, un petit peu. Quelques heures. Ce soir, on se fait un petit barbecue familial. Même si mon petit gamin, il n'est pas là ce soir. Parce qu'il a bossé toute la semaine. Et du coup, il va dormir chez sa copine puisqu'on part en vacances bientôt. Sinon, ouais. Donc demain, demain, on va faire un peu le jardin. Donc mon mari, lui, il a quelques arbres à couper et à détruire parce que mais on a acheté une broyeuse à bois, donc du coup il broie tout. Alors j'ai ma feuille qui s'est sauvée là, donc il broie tout le bois, donc il a le bois
à broyer, il y a la haie à couper. Moi, je vais aller marcher sans doute demain matin. Là, j'ai été marcher ce matin. J'ai fait, je crois, 5 bons kilomètres. Ça m'a fait du bien. J'en avais besoin parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine. Parce que j'étais beaucoup prise avec les papiers. Donc, moi, je pense que je vais aller marcher un peu demain matin. Et demain soir, nous faisons l'enterrement de vie de garçon et vie de jeune fille de ma meilleure amie qui se marie au mois d'août. Donc, en fait, ils le font en commun parce que ils veulent pas le faire séparément. Donc, du coup, ils ont. Ben, décidément, elle ne veut pas rester avec moi, celle-ci. Ils veulent le faire ensemble. Donc, du coup, on va. Ah, décidément, elle ne veut pas rester avec moi. Elle. Reste avec moi, toi. Ah. Donc, du coup, on le fait tous ensemble. Donc, on va aller se boire un petit apéro sur la plage. Après, on va manger au resto. Tous ensemble. Donc, je ne sais pas combien qu'on va être, mais je pense qu'on va être très, très nombreux. Et puis, si le temps le permet. On va finir la soirée sur la plage de Malo. Si le temps ne le permet pas, on va finir la soirée chez la sœur de la future mariée. Donc, ouais, la soirée risque d'être un peu agitée. J'ai mon Sam, c'est mon fils. Donc, il va faire Sam pour nous. C'est pratique maintenant d'avoir un gamin qui a le permis. Donc, du coup, il peut venir nous chercher. Donc, il nous ramène et revient nous chercher. Donc, je pense que ça va être une bonne soirée. Je pense qu'on va bien rire. C'est, en fait, on est un groupe d'amis où on se connaît depuis bon 20 ans. On a eu des hauts, des bas. Il y a des moments où on ne se voyait plus. Mais dans les événements importants de la vie, le groupe se rassemble toujours tous ensemble pour qu'on puisse. On a fait faire ce qu'on a à faire tous ensemble, quoi. Donc, j'ai très hâte d'être là demain soir. Ça va me faire le plus grand bien de revoir tout le monde, je peux vous assurer. Je crois que je vais apprécier la soirée, ça va me faire du bien. Sinon, moralement, bah, j'ai des hauts et des bas. Je sais que la première année, c'est la plus dure, mais il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça va pas trop, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie. On fait avec. Quand je sens que ça va pas, hop, je mets ma paire de baskets et je file. Je vais marcher, ça me fait du bien. Ça me détend. Je me sens bien. Donc voilà, j'ai terminé pour la première, la lettre A. Donc comme je vous avais dit, sur le bord des plumes et au niveau de la tête de la chouette. Donc le A est terminé. Je le mets de côté. Ensuite, c'est le petit E. Donc ce sont aussi pareil des gouttes. Couleur rose. Hop. On y va. Les E, alors les E, ils se trouvent au niveau des fleurs de la chouette. Ici. Hop. Oh, ça, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. Désolée. Alors, vous, je sais pas ce que vous avez prévu de faire pour le week-end. Et puis, nous, dimanche, je pense que dimanche, on va se reposer. Hein. Alors là, je vais prendre le stylet par contre parce qu'elles sont un peu plus. Non, je ne pourrais pas non plus. Je crois que je pensais investir dans un stylet, mais il me semble que j'en avais eu un avec un de mes partenariats. Je l'ai cherché partout ce matin, mais pas moyen de le retrouver. Je ne sais pas du tout où je l'ai mis, ce stylet. Je sais que je l'ai vu passer entre mes mains. Il me semble que c'était Imbroderie qui me l'avait donné avec le partenariat. Mais je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Donc, bah, je fais avec. Hein. J'arrive toujours à trouver des solutions. Même si là, ça m'embête un peu. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de faire comme toile en ce moment. Vous m'envoyez en Messenger, petite photo de ce que vous faites. Et si vous partez en vacances aussi, dites-moi. On part en vacances, mais on part dans la famille, quoi. C'est retrouvailles en famille, quoi. Avec mes cousines,
dans le coin de la France que j'aime, que j'apprécie et que je sais très bien qu'un jour ou l'autre je partirai là-bas. Voilà. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on regarde bien. Non, non, non et non. Donc, pour la E, c'est terminé. Donc, ça donne ceci. Voilà. Alors, on est parti pour faire des gouttes. Oh là là, des toutes petites gouttes vertes. Ça, j'aime pas trop, mais bon. Alors, est-ce qu'on aura le temps de le faire entièrement ensemble? Je ne sais pas. Parce que là, je vois qu'il y a déjà 15 minutes de vidéo. Je pense que ça va être juste, juste. Donc, nous disions du B. Alors, le B, c'est dans les fleurs. Donc, elles sont ici. Et, tac, 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 au niveau des yeux. Donc, le contour de l'œil ici et ici. Je pense que je vais remettre de la colle sur mon stylet. Je n'aurai pas assez. Hop. Ouais, je vais remettre un peu de colle. Me revoilà. Sinon, ah oui, j'ai eu un appel du Pôle emploi pour un entretien téléphonique. Bon, je serai en vacances, mais bon. Pour certainement ma demande de formation en informatique que j'ai demandé, que je vais voir, parce que c'est pas le Pôle emploi, c'est Pôle emploi handicap, donc c'est différent. Donc normalement il m'appelle le 29. Bon bah, je serai en vacances, mais c'est pas grave. M'appelle le 29, donc on verra ce qu'ils vont me proposer au niveau de la formation. Je vais bien préciser ce que je veux exactement. Bon, en fait, je voudrais. Voilà, un petit truc qui s'est venu se coller sur ma page là. Petite peluche. Voilà, pour me perfectionner niveau informatique. Donc j'espère que ma formation va être acceptée. Et puis bon, je pense que ce sera pour septembre. Hein. Ils vont pas m'embêter durant l'été. Sinon, ben, mon garçon finit son job d'été à la fin de la semaine prochaine. Donc après, ben, je le laisse tranquille tout le mois d'août, hein, parce que ben, il vient d'avoir une année compliquée avec l'école. Et après, en septembre, ben, il va aller déposer ses CV dans les boîtes de menuiserie, là. Puisqu'il a eu son bac. Donc il y en a deux, trois ici, mais c'est bon, c'est beaucoup dans le PVC. Lui, il n'aime pas trop le PVC, mais bon. S'il peut trouver un petit job en attendant, il va pousser la Leroy Merlin, enfin, un peu partout, quoi. Donc pour celle-ci, elle est terminée aussi. Donc je vous montre au niveau des yeux. Hop. Ensuite, là, c'est des grosses gouttes couleur rouge, mais en aurore boréale. Donc la couleur, elle est un peu. Donc là, c'est du C. C'est des très grandes. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hop. Donc elle se trouve dans la fleur ici. Alors, hop. Sinon, au niveau du temps, bah, il fait très beau depuis une semaine. Ça fait du bien. Très beau, même très chaud. En début de semaine, on a eu très très chaud. Là, ça redescend un peu parce qu'on a un petit vent de nord qui arrive là. Ils ont prévu des gros orages pour demain. J'espère que ça va aller parce que comme on fait les trois quarts de la soirée sur la plage. Ça serait quand même bête qu'il fasse mauvais. Donc c'était quoi? C'était du C. Donc le C, encore un là. Ici. Voilà. Hop.
Voilà, je pense qu'il n'y en a plus. Là, c'est du dé. Non, c'est bon. Donc, celle-ci, c'est fait. Donc, je vous montre. La fleur est ici, au niveau de là. Et là. Donc, maintenant, c'est les mêmes gouttes, sauf que là, elles sont en blanche. Hop. Bon, je pense que, à mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire les petites. Donc, ce que je ferai, c'est que... Hop là. Je vais faire le maximum avec vous. Et si vraiment je vois que la vidéo est trop longue, je terminerai seule de mon côté. Et je vous posterai la photo sur ma... Oula ! Oula, elle s'est envolée celle-là. Je vous posterai sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Comme ça, vous le verrez terminé. Parce que je pense que ça va être un peu trop long, à mon avis. Donc là, ouais, je disais le temps, le petit vent de nord s'est levé, donc ça a fait baisser un petit peu les températures. J'ai vu qu'ils ont prévu des orages pour demain, et pas top le temps début de semaine. Donc ça commence bien pour les congés de mon mari, j'espère que ça va vite s'améliorer. Puis après, bon, en vacances... Fasse beau, pas beau, hein, du moment qu'on est tous ensemble. Bon, après le soleil, oui, ça fait du bien. Hein. Mais ouais, et puis on a prévu quelques petites activités malgré qu'il faut le pass sanitaire. Hein. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas vaccinée parce que on est trop beau pénique. Donc pour l'instant, il y a beaucoup trop de risques pour nous. Donc on attendra d'avoir un petit peu plus de recul pour le faire. Donc ça, c'est terminé. Je vous montre les deux fleurs. Donc pour l'instant, on va attendre. Hein. On va attendre. Je ne veux pas faire prendre de risques à mes enfants. Je ne veux pas en prendre non plus parce que j'ai envie qu'il m'arrive quelque chose. Donc on va attendre un petit peu. Donc ça, c'est du 240. C'est un couleur rose très pâle. Ouais, vous le voyez légèrement orangé, mais c'est un rose. Donc, c'est le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est bien le numéro 1? Oui, numéro 1. Il est, alors, dans le corps de la chouette ici, un peu dans les plumes et un peu au niveau de la tête. Donc, ouais, donc on va essayer, on va faire des activités quand même. Hein, ça ne va pas nous empêcher d'eux, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on va être un petit peu plus restreint sur ce qu'on devait faire. Mais on s'en arrangera. Non, c'est pas ça qui me fait peur. Donc voilà, voilà. Je suis partie, je sais pas encore. Normalement, on était parti une huitaine de jours. Bon, je pense qu'on va prolonger sur une dizaine de jours. On va voir. On sait pas encore. On sait quand on part, mais on sait pas quand on revient. Voilà, vous avez un manque de lumière parce que j'ai mon LED qui s'est éteint et à mon avis, j'ai plus de batterie. Ouais, j'ai plus de batterie sur ma petite truc, mais bon, vous voyez quand même, c'est bon. J'ai dû tout fermer parce qu'il fait tellement chaud comme la maison, elle est plein sud. Il fait très très chaud dans la maison. Donc le matin, je suis obligée de... Je fais le ménage très tôt le matin, j'aère, je fais courant d'air avec la porte d'entrée et après je ferme tout. Parce que là, il y a deux jours, il y avait jusque 29 degrés dans la salle à manger. C'est insupportable. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne fait pas très, très clair dans la maison. Mais je pense qu'on est tous à peu près pareil. Donc, quand je vais revenir de vacances, je pense que je vais voir pour faire... commencer la résine là. Les deux trois petits trucs que j'ai dans la tête là. Je pense pas vous faire de vidéo parce que je ne suis pas assez enfin je débute, donc je vais d'abord en faire plusieurs fois, voir ce que ça donne. Si vraiment j'y arrive bien, je ferai sans doute peut-être une vidéo pour vous montrer à peu près comment ça se passe pour la résine. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui en font aussi. Hélène et le Diamond Painting, je sais qu'elle en fait aussi. Je n'ai pas vu d'autres.
Si, je crois que j'ai vu DP et compagnie. Il me semble que j'ai vu qu'elle avait reçu des moules. Je ne sais pas si elle fait de la résine ou pas. Mais je vais m'essayer ça et on verra. Bon, là-bas, j'étais partie sur la résine. C'était pour faire les stylets. Sauf que malheureusement, je ne trouve pas de moules cylindriques assez longs pour pouvoir les tourner après. Donc, j'ai vu que les youtubeuses, elles faisaient des carrés. Enfin, des rectangles. Mais je trouve que ça fait beaucoup de pertes de matériel, enfin beaucoup de pertes de résine. Donc j'essaie de trouver une autre solution. J'essayais de trouver des cylindres. Mon mari a essayé de faire un cylindre en silicone parce que comme ils font des leurres pour la pêche en silicone eux-mêmes, mon mari et mon fils. Donc il a essayé de faire un moule en silicone lui-même, sauf que bah, il était trop épais et du coup la résine elle mettait un temps fou à sécher. Je vais essayer de le faire avec le multiplaceur parce que je vois qu'ils sont tous les uns à côté des autres. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Oh, ça peut le faire. Ouais. Donc du coup ça va pas. Donc il faut que j'essaie de trouver. J'en ai trouvé, mais si vous préférez, c'est des moules. Ils ne sont pas en silicone. C'est pour faire des moules de bougie. Ça serait la bonne taille. Donc, ça serait nickel. Sauf que il faut mettre un espèce de produit dans le tube pour réussir à démouler. Donc, mon mari, il a dit, il va penser pendant les congés, il va faire quelques recherches pour voir si on peut trouver. Une façon de faire. Donc, je vais voir, on va voir, là, on va essayer de voir ça ensemble. Bon, avec le multiplaceur, ça a l'air de marcher. Ça se place bien. Il y a combien déjà? Ah, il y a déjà 27 minutes. Hein. Mais je pense que je ne pourrais pas la terminer avec vous, celle-ci. Donc, je ferai comme je vous ai dit. Hein. Je vais continuer de mon côté et je vous posterai la photo sur ma page Facebook et mon Instagram. Je suis désolée. J'ai peur que ça prenne vraiment trop de temps. Je ne pensais pas que c'était. Il y avait autant à mettre. Je vais finir cette couleur-là avec vous. Hop. Voilà. Sinon, Réo va bien. Il profite du beau temps. Lui, il est dehors. Il est dehors. Il fait sa petite vie. Bon, il rentre pour ses petits câlins. Chercher à manger comme d'hab. Mais lui, il fait sa petite vie tranquille. Et lui, on peut dire que c'est un chat heureux, on va dire. On l'embête pas, hein. On va dire que lui. Hop, je termine ça avec vous. Hop. Je pense que le numéro 1 est terminé. Je regarde bien partout que j'en ai pas oublié. Attends, il y en a encore un petit peu là. Hop, que je termine cette couleur avec vous. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer de mon côté. Voilà ce que ça donne déjà pour le début. Franchement, les couleurs, elles sont superbes. Je pense que le rendu va être magnifique. Donc, ce que je fais comme je vous ai dit. Je vais le terminer de mon côté et je vous ferai une photo. Je vais remonter un petit peu. Et vous reculer un peu parce que trop pris, j'aime pas. Je vais le terminer tranquillement. Je vous fais la photo. Je vous la poste sur mon compte Insta et mon compte Facebook. Et puis je vous dis à bientôt. Retour de mes vacances, je vous ferai des petites vidéos. Je vous ferai peut-être un flashback des vacances, peut-être là-bas. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit.
À bientôt. Bye bye.